remembering. C'est les 12 raisons pour lesquelles vous puez du cul sur Rainbow Six. With in Rainbow Six Siege. No matter how long you've been playing or how high of a rank you are, you likely have experienced the feeling of whiffing all of your shots at an opponent that you should have killed. It happens. But the most important thing is to learn from these moments so that you don't make the same mistake again. However, it can be difficult to understand why you whiffed in the heat of the moment. So, in today's video, I've compiled 12 of the most common reasons why I see people whiff, to hopefully help you improve. If you notice some of the things I mention you do often, take note and follow the tips I give you to correct it before it becomes a bad habit. Now, the first reason I see a lot of people whiff their shots in Siege is being too impatient. We've all seen an opponent and then fired our weapon before we had a clear shot. You never want to do this because first of all, it allows the opponent to potentially get away. But second of all, if you get into a gunfight with that person, you're then going to be forced to control recoil in the middle of a flick, which is going to increase the likelihood that you whiff your shots. And it's removing that first shot accuracy that you'd get with normal shots. If you notice yourself being impatient in a lot of games, just make for sure that you wait until you have a clear shot onto your opponent and try not to fire until your crosshair is actually on the opponent. I see it all the time in lower ranks where players will see an opponent pop up on their screen and they'll start shooting before they adjust their crosshair onto the opponent. If you do this, it's going to cause you to lose more gunfights and it's going to cause you to have more embarrassing whiffs. Now the second comment... Vous en pensez quoi? C'est vrai que Rainbow Six, c'est un jeu chirurgical au final. Par rapport à du CS, par rapport à du Valo, par rapport même à du COD, c'est un PowerPoint en fait. Ça tape sur le mini pixel qui est au milieu et tout doit être mis dans un pixel et on prend des lignes de 1 pixel où on envoie 50 pruneaux dans un pixel, etc. Au début, on peut être un peu embouché, pour reprendre le coaché de l'autre jour, mais à la fin, il faut être chirurgical, quoi. Faut que les choses se fassent au scalpel. Faut que ce soit extrêmement propre. Et il est vrai que il faut prendre le temps de bien faire les choses. The reason I see a lot of players whiff their shots is because they're holding angles too tightly. If you hold an angle too tightly onto a doorway or you don't hone an angle in the proper position, it's going to make it way harder for you to react in time. Alors là, ça c'est un vieux truc. Le fait de tenir des angles qui seraient trop tight. Donc ce serait l'inverse au final de ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Donc de prendre une ligne de 1 pixel. Il y a des endroits où effectivement ça marche pas et il y a des endroits où effectivement ça peut marcher pour le coup. Là le problématique c'est plus complexe que ça quand même. Là le problème c'est que il prend exactement une ligne de 1 pixel sur un endroit dont il est à peu près sûr que ce sera un endroit de passage, ok, et il est quasiment à 90 degrés que c'est cet endroit. Donc il est là et le mec passe là, grosso modo. En vrai il est plutôt légèrement comme ça en angle et le mec passe ici au fond. Du coup, forcément, c'est le pire des trucs ever. C'est le pire des trucs. Bien évidemment, il ne va pas pouvoir faire le kill pour la simple et bonne raison que ça peut être à la limite juste un angle que tu prends parce que t'as peur que le mec te joue en face et que tu veux juste prendre une information. Effectivement, ça sert à rien de tirer. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, le mec en face ne va pas savoir que t'es là. Il va pas s'arrêter dans cette ligne-là. Donc, prendre une toute petite ligne, c'est bien si tu sais qu'il y a des chances que le mec s'arrête au niveau de cette petite ligne. Alors, s'arrêter, ça veut pas forcément dire s'arrêter. Ça veut dire venir vers toi ou reculer ou se décaler tellement slowly que tu vas lui en mettre plein la gueule. Par exemple, je suis dans la master au top sur Oregon. Je sors de la porte de la master sur Oregon. Je commence en haut à ouvrir vers le trophée. Je prends une petite ligne de fils de pute. Cette ligne là, elle est parfaite. Pourquoi? Parce que quand ils vont vouloir passer, il y a de grandes chances qu'ils passent et ils repassent. Il va pas faire un grand tout droit vers le grenier. Et quand bien même il le ferait parce que je sais que le grenier est ouvert, je ne fais pas. Ça, j'overextend. Ça, faut jamais le faire. Le mec vient de passer, il faut respecter le fait que, bah du coup, s'il vient de passer, il va y avoir ce truc-là où au final, bah il passe et je dois le récupérer. Et le problème, c'est qu'en allant le récupérer, bah ça prend du temps. Lui me voit, il se retourne, moi je ne bouge pas, et lui bouge. Et peut faire une espèce de zizou, quoi. Ce qui va se passer. Zizou, je reviens, je suis mort. Donc, attention quand même à ça, quand même. Le fait de dire, faut pas prendre des petits angles, ça dépend des angles. La ligne magique qui existait avant sur Café, c'était une ligne de 1 pixel. En fait, tout dépend du risque versus reward. L'autre, c'était une low risk, high reward, et c'est ce qu'on cherche, voilà quoi. Alors que là, c'est une high risk, low reward, c'est tout l'inverse. Il a une grande possibilité d'avoir une personne qui va passer devant lui, et quand il va vouloir se donner, du coup, il va ouvrir sa ligne et il va se faire enculer. Donc attention à ça quand même. Même si je comprends la logique de dire, bah peut-être votre niveau de jeu ne vous permet pas à l'heure actuelle de prendre des lignes de 1 pixel, quoi. Mais prendre des lignes de 1 pixel, par exemple, c'est comme ça que je tue les cheaters à chaque fois. Je tente justement sur des lignes de 1 pixel ou je joue sur des lignes de 1 pixel, mais c'est parce que lui aussi joue en face et il est pas dans une logique où il court. Et je vais certainement pas overextend et ouvrir ma ligne. Donc son erreur, elle est pas vraiment sur la prise de ligne à proprement parler, elle est sur la
l'action qui vient derrière. It's going to make it way harder for you to react in time because unlike what you may believe, you don't have a sub 100 millisecond reaction time. So you need to position yourself in a way when holding an angle that gives you enough time to react and kill the opponent. And another reason why holding an angle too tightly is bad is because it will once again force you to flick onto an opponent. Because if an opponent runs past your super tight angle, and à chaque fois il prend exactement les trucs, il demande à un de ses potes de venir l'aider pour venir schématiser ce qu'il est en train de dire. Mais c'est nul, hein. Là il prend les pires lignes ever. Ça c'est une ligne effectivement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir un, le mec s'arrête sur la ligne en face. Et donc dans ce cas-là c'est une ligne très pro hein, à prendre. Celle-là elle se prend cette ligne-là, donc c'est pas dégueulasse. En revanche une fois de plus, l'erreur c'est ça. L'erreur c'est l'overextend. En revanche dans Rainbow Six, on peut se permettre de prendre une ligne et d'avoir une ligne qui serait tellement petite au final qu'on la garde. Quand bien même la personne sait où on est. Là on peut très bien imaginer. Possibilité 1, le mec s'arrête dans sa ligne en face de lui, décide de le jouer, connaît la ligne et s'arrête parce que il fait un découpage du haut de l'escablan où il s'arrête sur lui. D'abord il s'arrête dans l'escalier parce que le vous savez le trou est ouvert à sa gauche. Ensuite il s'arrête sur lui parce que c'est une ligne connue. Ensuite il fait attention en ouvrant à la ligne qui est dans la continuité du mur qui est juste derrière là le doc. Et ensuite souvent il va chercher la petite ligne qu'on connaît tous qui est juste au niveau de l'épaule droite du doc qui est au-dessus de la bombe. Et ça c'est les lignes connues. Tac 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 tac. Donc si à la limite il décide d'aller trop vite parce qu'il reste 6 secondes de feu à la fin, c'est un attaquant 1v1, 6 secondes. L'attaquant il va pas respecter toutes les lignes, il va faire un grand tout droit. Bah dans ce cas-là qu'est-ce qui va se passer? Il va passer sur la ligne là, lui ne va pas pouvoir la voir, mais il a pas besoin pour autant de faire quoi que ce soit. Il a pas réellement besoin de changer quoi. S'il est spotted en revanche, il doit anticiper le placement de l'autre. Because it will once again force you to flick onto an opponent. Donc, je suis pas du tout d'accord avec ça. Your super tight angle and you're going to have to flick your crosshair outwards to take that gunfight. Solving this is pretty simple. You typically want to put your crosshair just a few inches ahead of the angle. Surtout pas. Donc ça peut marcher pour des gens débutants sur Rainbow Six, OK? Mais donc du coup, toute personne en face de lui qui aura les capacités et les outils de type shake pick, droning ou un meilleur aim, qu'est-ce qui va se passer? Bah la personne va s'arrêter ici, sa tête va être là lui en face, il verra beaucoup plus de son corps et en le jouant sur la ligne de 1 pixel, bah le doc perd son duel au final. Il se prend tout dans le buste en bas à gauche là, au niveau de son thorax. Voilà quoi, voire même la tête. Et c'est une erreur fondamentale de dire ça. Il faut prendre des lignes serrées, ça se fait, mais il faut respecter ce qui va se passer derrière quoi. Est-ce que le mec va faire un grand tout droit et donc dans ce cas-là, je vais voir une info et donc c'est trigger discipline derrière. J'ai pris l'info, il est passé. Ou alors, est-ce qu'il va s'arrêter ici parce que je connais la ligne et dans ce cas-là, je l'encule quoi. Ou alors je balance un spray et je m'arrache. Ça c'est le mieux en fait, c'est le truc qui s'adapte à toutes les situations. C'est je prends la petite ligne, le mec passe devant moi, ou ne s'arrête pas, mais il y a un truc qui arrive, ou je l'entends monter dans l'escalier, il casse les fils barbelés, je sens qu'il va arriver, pré-shot. Soit il prend des balles parce qu'il s'est arrêté, voire il est mort, parce qu'il s'est arrêté dans ma ligne, soit il est passé, il a juste pris quelques balles, ou pas de balles, mais moi j'ai pris aucun risque. Et ça pour moi c'est très mauvais. Then by the time you're pulling the trigger, the enemy will be at your crosshair. Whereas if you were to hold an angle right up against the door frame, when the enemy runs out, you're gonna have to flick to them by the time you react. Now the third reason I see a lot of people. Ok, donc je suis pas d'accord avec celle-là. Troisième raison. Whiffing their shots in siege is wide swinging too often. Basically, what a wide swing is when you swing a doorway and basically guess where the enemy is going to be, and you swing it wide, so you're not checking other angles in the room. This will leave you extremely vulnerable, and if the enemy isn't where you're looking, you have to flick to a different part of the room to be able to take that gunfight. Which I'm sure, as you've gathered, flicking in siege is not ideal. You don't want to be relying on your ability to flick in siege. You want to put yourself in gunfights where your crosshair is almost always on the opponent because it's going to give you an advantage in the gunfight. So instead of wide swinging, you want to peek each angle. Tiens, parfaite, one at a time, la ligne, là. So that you aren't caught off guard by any opponent that's in the room. You can do this by shyko peeking slowly through a doorway, or you can do this by just simply slowly peeking the doorway and checking each individual angle before you swing deeper. This will allow you, if you see an opponent, to immediately shoot while your crosshair is in their general area, instead of having to flick onto them because you guessed the wrong part of the room. Très très bon. Ça c'est l'un des meilleurs conseils du truc, hein. Ouais, c'est comme ça qu'il faut jouer, hein. J'arrive ici au niveau du top bleu sur banque, ok? Je ne sais pas où il y a des gens. Imaginons, je suis en train de faire un 1v1 contre un joueur. Je l'ai entendu au-dessus de ma tête. Il était en train de se promener et tout, mais je sais pas trop où il est. Eh ben, je suis obligé de respecter la possibilité que sa tête soit ici.
premièrement, c'est un scan. C'est pas fluide. Ça peut pas être comme sur code où je me balade comme ça et je fais un clic droit. Non, il faut que ce soit clac, 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 clac. Et après, à force d'être très très bon sur R6, les clac, 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 clac deviennent plus en plus fluides. On rajoute des images par seconde. On fait clac, 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 clac. Au début, c'est tac, 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 tac. Je m'arrête sur chaque ligne. Puis après, ça va être tac, 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 tac. Puis après, tac, 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 tac. Puis après, on apprend en fonction de là où on pense que la personne peut être. On envoie un petit coup d'épaule, etc., etc. Mais dans les faits, que ce soit chez Copic, si on était dans une logique où les gens ne bougent pas, et par exemple on disait bon bah là t'as 4 personnes, au moment où tu vas arriver dans l'escalier blanc, en haut de l'escalier bleu, tu as 4 personnes qui te regardent avec des lignes connues, ok, qui sont debout, tu dois les tuer une par une, mais si à un moment il y en a 2 qui te regardent, tu meurs instantanément. C'est-à-dire que tu dois sélectionner les targets et il doit jamais y avoir plus d'une target qui arrive. Le seul moyen de faire ça, c'est soit de faire du shake picking et de connaître toutes les lignes par cœur, ou alors d'être lent sur sa décale. C'est tout. Et donc là, on va avoir très certainement une tête ici parce que c'est une des premières lignes connues. Alors bien évidemment, on peut maintenant avoir des mecs qui vont se mettre ici justement parce qu'ils savent qu'en se mettant sur des lignes pas connues, blablabla. Mais c'est R6, le pick advantage, tout ça. On va très certainement avoir une personne ici, donc on va faire clac, on va s'arrêter, puis après on va essayer d'ouvrir sa machine. La deuxième possibilité, c'est là, très certainement, accroupi au niveau de la tête, là. Souvent quand il y a la bombe, c'est là qu'on se met. Ici, bien évidemment, on peut imaginer, là, forcément, à gauche de ce pilier, pourquoi pas ici, en bas à droite, et donc du coup, clac, 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 je le fais assez rapidement pour aller chercher les bonhommes, quoi. Donc c'est... Il a raison, pour le coup. Et après, ça accélère. Donc quand les joueurs sont très bons ou que ça fait très, très longtemps qu'ils jouent à Rainbow Six, on a l'impression que c'est fluide, mais pourtant le découpage est là, quoi. Et en fonction des informations qu'on a, en fonction des sons qu'on a, enfin des infos, en fait, du temps qui nous reste, en fonction de plein d'autres éléments, on va prendre le choix de oui ou non. Est-ce que je m'arrête et je découpe tout? Ou parce qu'il me reste 3 minutes et je viens juste d'arriver là, ils sont en top et je suis en train de me promener avec une knock. Bon bah là j'ai le temps, je me promène, tac, 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 je vais chercher ma première cible. Ou alors il reste 30 secondes, je suis en 1v5 et là faut que j'y aille. Bon bah dans ce cas là faut faire un grand tout droit, faut pas réfléchir quoi. Hop là. Bon par exemple tout ce qu'il vient de faire sur ce truc là, bon là on entend bien que par exemple bah justement peut-être qu'il était en train de revenir d'en bas. Et il fait un kill sur un mec qui est en train de se promener au niveau de l'atrium, là, du bottom carré. Il l'entend, donc c'est normal qu'il vienne faire le kill à cet endroit-là, pas de problème, quoi. Néanmoins, si on était dans une logique où on a exactement aucune info, où on n'a pas d'info, pour le coup, bon, bah là, on pourrait partir du principe que son crosshair placement est dégueulasse parce qu'il peut y avoir un ennemi là, quoi. Ici, à droite, ou ici, en bas à gauche, ou ici, en bas à droite. C'est une position assez connue, ici. Là, il le respecte pas du tout. Là, il aurait très bien pu, donc du coup... ne pas faire ça. Donc on tolère le swing qui en plus va pas être bon parce qu'il va baisser son crosshair placement tout de suite et en plus se mettre accroupi, donc ça c'est vraiment pas bon du tout quoi. Ok, sur R6 faut vraiment tout de suite se balader vraiment toujours à hauteur de tête. Il y a pas de je m'accroupis pour je sais pas pour n'importe quoi, on s'en fout, c'est pas CS quoi, il y a pas un meilleur recoil en étant accroupi pour éviter d'avoir un crosshair aussi dégueulasse que ça. Même si on a envie d'être rapide. Ça c'est bien ce qu'il fait. Donc c'était dégueulasse au début parce qu'on a l'impression qu'il patine. On a l'impression qu'il a une toute petite sensibilité. Ça devrait ressembler à une décale rapide, mais propre au moins. Et la décale rapide mais propre, bah c'est je lèche l'arête la plus proche de moi. Parce que c'est elle, c'est là qu'il pourrait y avoir un danger. Là, du coup, il lèche pas l'arête. S'il avait mis son crosshair au niveau de l'arête qui est ici, là, qu'on voit là, bah s'il y avait un danger ici, qui commence à lui tirer dessus, avant le rook, bah il y a la possibilité qu'il fasse un flic qui sera moins important que d'arriver ici, d'avoir le rook et d'avoir un mec qui lui fait surprise, motherfucker. Pour lécher les arêtes, quoi. C'est le seul moyen. Is taking gunfights without info. This forces you to guess or rely on sound alone to figure out where the opponent is in a... Prendre des gunfights sans avoir des infos. Ce qu'on peut généraliser à Rainbow Six, c'est des infos. Et plus il y a d'infos, mieux c'est. Les calls des camarades, le droning, les infos visuelles, les infos sonores, voilà quoi. And if you're wrong, you'll likely end up having to flick onto the opponent, which, as I mentioned with wide swinging, is a huge issue. D'ailleurs, j'en avais parlé sur une des vidéos, je crois, celle de Ozzy ou celle de Bolo, en disant, c'est pas bon en fait, c'est impressionnant de voir des gens qui flickent. Mais j'avais expliqué de dire sur Rainbow Six, quand on flick, c'est que on avait un crosshair placement qui est pas bon. Qu'est-ce que c'est que le flick si ce n'est
de tuer un ennemi par lequel on avait été surpris par sa position. Sur Rainbow Six, il n'y a pas besoin de ça, normalement. Il y a assez de drones, de trucs, d'éléments, de sons, d'informations qui nous permettent de ne pas avoir à flic et la plupart du temps de jouer dans des trucs où il y a 1 pixel, 5 pixels, 10 pixels, quoi. Et certainement pas à avancer et faire un grand flic, quoi. Ça, sur Rainbow Six, c'est le pire des trucs. On pourrait peut-être trouver ça joli en se disant waouh, parce que c'est un peu impressionnant. Être surpris par la position d'un mec, donc flic, bah c'est le pire des choses. C'est ce qui montre, je pense, un mauvais joueur. So, before you take any gunfights or before you try to take any map control, you want to be using your drones, using any cameras on the defense that you have at your disposal, or information that your teammates can provide to you to hopefully give you an advantage and to help you avoid this. If you can get info on the general position of your opponent before you have to walk into them, it will help you pre-aim that position and it will stop you from being caught off guard. But in Siege, taking gunfights without info is basically inevitable because you can't have drones, cameras, or traps in every position on the map. And in those situations, the other tips in this video will apply. But you should generally try to avoid that at all costs if possible. Now the fifth reason... Il vaut mieux éviter effectivement d'aller à un endroit et de prendre une information sur un endroit en faisant du face check. Face check, ça vient de League of Legends, c'est le fait de rentrer dans un bush dans lequel tout le monde peut se cacher, dans les bushs de League of Legends, tant qu'on n'est pas dedans ou quand on n'a pas un élément de vision, un radar, une ward dedans, on ne peut pas savoir ce qui se cache dans le bush. Il peut y avoir 5 personnes, toute l'équipe peut être dans un bush de 2 cm carrés, quoi. Si on rentre dedans et qu'on est en mode oh, putain, ils étaient tous là, bah, ça s'appelle face check, quoi. Je vais chercher une information, mais je peux mourir parce que si y a 4 personnes, là je meurs, je prends le risque de mourir. Et sur R6, c'est pareil. On n'a pas le droit de. Enfin, c'est difficile de face check en l'occurrence, de pick une ligne. Sur laquelle on n'avait pas d'informations ou peu d'informations, quoi. The reason why a lot of people with their shots is not aiming head level. The reason this is so important is because in Siege, there's a one-shot headshot mechanic, which means that if you're not aiming at head level, you're missing out on that satisfying headshot, and you're going to lengthen the gunfight, which puts more reliance on your gun stats to win the gunfight. This is especially important when you're using guns that don't have a super good damage output, like Valkyrie's MPX, because if you try to go for body shots, most likely the attacker's weapon is going to end up besting you in that fight. And also, if your crosshair placement is off and it's not on head level, then it's going to force you to flick onto the opponent, like I've mentioned before. What you can il dit qu'il faut beaucoup de headshots, mais il est toujours accroupi et il fait très peu de headshots au final. Mais tout le temps, toujours debout, en train de se balader et en train de se balader avec le crosshair placement parfait au niveau de la tête. Et effectivement, parce que R6, c'est on s'en fout presque des dégâts qui sont causés par l'arme, puisque n'importe quelle arme dans la tête tue au final. On peut sur R6 sniper, il y a pas de drop en plus, en tout cas sur les munes. Donc un pistolet peut enculer une Kali qui s'était mise à 50 mètres dans des ruines. Il y a pas de balistique et il y a un one shot headshot. Donc clairement il a raison là-dessus. Yo Vortex. So that way you can practice the different head levels at different ranges as well. So that way you can get used to aiming at those heights. And you can also use barricades in custom games to practice where the head level is. Because just around the second belt buckle at the top of a barricade is where head level is. So, if you just aim at that buckle and then walk around a map in custom game, it'll allow you to get better at crosshair placement around the map. You can also use training drills to practice this as well, since it puts dummies around actual ranked maps, which will help you get better at not only aiming head level, but practicing other things I've mentioned in this video, like peeking angles one by one and getting impatient. So just try to use all of these training resources to your disposal, because trust me, having bad crosshair placement is a terrible habit that you need to fix as soon as possible. Crouching too often in fights can also cause you to whiff a lot. Je pense que celle-là, elle est pour le B. Oui, oui, oui. Do often, and it's a problem that I've been trying pas l'exemple. To fix over the past few months. Ah. C'est un truc qu'il essaie de résoudre au cours des derniers mois. Au moins, il a la sympathie d'admettre que c'est pas un exemple pour le coup. Meilleur moyen pour faire ça, si vous accroupissez trop, vous débindez la touche, quoi. Voir, tu l'enlèves du clavier, et puis comme ça, t'appuies plus dessus, quoi. Et puis en avant, quoi. C'est désagréable, en fait. C'est aussi simple que ça, hein. Faut perdre un mécanisme, voilà, quoi. C'est comme un enfant qui suce son pouce, je sais pas, moi, ce qu'on fait maintenant en 2024. Mais moi, à l'époque, on mettait du scotch dégueulasse autour du pouce, et puis c'est bon, j'ai arrêté de sucer mon pouce, en fait. Enfin, c'est un peu la même chose. Because it changes the position of your crosshair, which is going to make it harder for you to hit headshots and potentially harder to just hit an opponent in general. It also, obviously, lowers your head, potentially giving an enemy a free headshot if they're aiming at your chest level. So you want to avoid doing that as much as possible. And the way I recommend training yourself out of this habit is to go into arcade and play arcade without crouching the entire time. Actively be thinking in your head throughout the match, don't crouch. And as long as you continue to practice that and can continue to play arcade, you'll eventually
eventually be able to break that muscle memory habit of crouch spamming in a gunfight. If you've been playing Siege for a while, or if you've been playing games like Counter-Strike or Valorant, where crouching is a huge component in a gunfight, then it's going to be a lot harder for you to get rid of this habit than it is for someone who's brand new to the game. But trust me, if you put in the hours in arcade or even in quick match and other modes in the game, you'll eventually be able to break the habit, which will give you a huge advantage in gunfights. I'm not saying... J'aime bien comment il se parle à lui-même, en fait. Can't crouch in a gunfight, just try to avoid doing it super often because it will most likely end up causing you more harm than good. Speaking of crouch spamming... En tout cas, il est bien, comment dire... Quoi de mieux que lui pour dire qu'au final, ça marche pas, quoi, puisqu'il le fait souvent. Donc moi, je pourrais peut-être que ça se trouve, croucher au final, c'est bien et que ça te permet d'éviter des balles et voilà. Mais en vrai, même lui, du coup, n'est pas d'accord et ça, visiblement, ça le fait chier d'avoir cette mauvaise habitude. Je pense qu'il le dit parce que lui, ça l'affecte personnellement. Je pense pas qu'il y ait autant de gens que ça qui se crouchent dès qu'ils tirent sur Rainbow Six, quand même. Quand je vois les coachés, les personnes que j'ai vues et tout, je n'ai pas non plus vu ça comme étant le truc, quoi. Un mauvais crosshair placement, en particulier pour des personnes qui viennent de la console et qui ont pris l'habitude au final de mettre leur crosshair un peu plus en dessous au niveau de la clavicule, quoi, en gros des têtes, parce qu'ils ont du mal à compenser l'arme dès les premières balles. Souvent, la plupart du temps, l'arme elle part, ta-ta-ta-ta-ta, et là ils récupèrent au final l'arme, quoi. Alors que sur R6, la première balle doit être dans la tête, et la deuxième et la 16e doivent être au même endroit. 1, 2, 16, 15, 21, toutes les munes dès la première doivent être au même endroit. Et donc, faut se balader au niveau de la tête, quoi. I mean, another very common bad habit that players form that ends up causing them to whiff a lot is lean spamming. This specifically, I saw a lot on console when I used to play, and it's extremely bad for your aim's consistency because it flicks your crosshair back and forth, allowing you to easily miss your shots. And especially since when you're lean spamming, it causes your crosshair to go over the head of an opponent. It makes your aim even worse if you have good crosshair placement and you're good at hitting headshots. The way to get rid of this habit is very similar to the way you'd get rid of a crouch spamming habit, and that is to just go into arcade, go into quick match, and constantly think about not leaning in your gunfights. If you're actively thinking in your head, don't lean when you're taking a gunfight, eventually you won't have to think about it anymore and it'll just become habit. If you're someone that has built up a habit of lean spamming over multiple years of your gameplay, then it's going to take a lot longer to get rid of this habit than it would be for someone who's just started playing the game. So trust me, the sooner you can get rid of this habit, the better, because it will help you win more gunfights and cause you to stop whiffing as much. Another habit that is devastating for your... Attends, mais il y a vraiment des gens qui ont ça, cette habitude de faire des gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Sur console, les gens font beaucoup ça. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Je sais pas, pour les gens qui... Je sais pas. Moi, ce truc du spam gauche-droite, gauche-droite, c'est pas... Voilà, quoi. En revanche, gauche-droite, à chaque fois que t'es en train de suivre le mouvement, bon, tu danses un peu, quoi. Et ça, c'est OK. Your aim that can cause you to whiff a ton is sprinting too often. The reason sprinting is such a problem is because it forces your gun down, which means that if you have to get into a gunfight, you have to deal with these slow ADS speeds that Siege has nowadays, which can easily cause you to lose a gunfight before you can ever even get your gun up. Ça, and so basically the way to avoid this problem is to just spend way more time in your matches ADS'd and to also only sprint when you know an area is clear. You only want to be sprinting in Siege when you're rotating from one side of the map to the other that you know you've cleared, or in the last seconds of a round when you have no other choice but to sprint. C'est vrai, c'est if vrai. You can ADS down a hallway or up a staircase, you should be doing it. Or at the very least, you should be walking instead of sprinting, because it will give you a faster ADS speed if a gunfight does arise. Now, another thing that can cause you to whiff in Siege that most people don't think about is having a... En tout cas, non, il a raison. Ça, pour le coup, le fait de sprinter trop souvent, ça, c'est un truc qu'on voit souvent, quoi. Pareil, hein, si ça vous arrive, tu fais sauter la touche de sprint, quoi. Il y a peu de raisons de sprinter sur R6, en vrai. Et à l'heure actuelle, enfin, moi, je marche quasiment tout le temps. Je marche. C'est toujours pareil. Je marche en mode normal, quoi. Je fais rien, en fait. J'appuie sur Z et puis en avant, quoi. Marcher en mode slow, bon, c'est parce que j'ai pas envie de faire de bruit à un endroit, j'ai pas envie de me faire entendre. Ça a souvent une logique de son, quoi. En règle générale, marcher, c'est parce que j'ai pas envie de me faire ripper à un endroit où j'en profite, quoi. Mais courir, ouais, courir, tu le fais en phase de préparation, à la limite, et encore quand y a pas de spawn kill en attaque, pour gagner du temps, sur des endroits où tu sais qu'il va pas y avoir de problématiques, ou alors parce qu'il reste 15 secondes ou 20 secondes à la fin, ou parce que tu sais que tu peux, mais oui, on peut pas toujours sprinter sur Rainbow Six, quoi. Mais je pense que là, les gens, ils s'en rendent
rendent compte très très vite parce que autrement ils se font sécher, ils en auront le cul. Je pense que courir c'est aussi l'une des mauvaises habitudes. C'est, il y a beaucoup de gens qui pensent que ils peuvent se balader en hipfire, donc en se baladant, et dès que le mec apparaît, hop là, je fais un clic droit et je tire vers lui, il serait plus rapide quoi. Mais en vrai non quoi. Sur Rainbow Six, vaut mieux à la limite avancer avec tout le temps en clic droit quasiment. Quitte à choisir, avancer tout le temps en clic droit quoi. Surtout si on a un X quoi, genre holographique et tout. Bad mindset. Overlook when they play games in general is their mindset. The way you're feeling emotionally before you go into a game can heavily affect the outcome of the match. Letting your KD or other factors emotionally affect you can cause you to make mistakes you otherwise wouldn't. Also, having bad things going on in your life that's causing you to be extremely stressed at the time can also affect your ability to perform because you're constantly thinking about stuff outside of the match. You want to try to stay calm and realize that at the end of the day, it's just a game. And you want to try to avoid letting things get to you in a match. This is why I tell people all the time to turn off their all chat so that way they can't see the enemy team talking crap about them, because most people don't handle those situations very well and it causes them to end up playing worse. Ouais, ça c'est un des trucs que dès qu'ils avaient, j'en ai reparlé il y a pas très longtemps, j'en ai reparlé la semaine dernière encore, de savoir ce que les mecs en face disent, qu'est-ce qu'on en a à branler quoi. Une fois qu'ils peuvent parler, etc. Si on a malheureusement ce truc de pas avoir cette résilience ou d'avoir cette envie de savoir qu'est-ce qu'ils disent en face et tout machin, ça c'est des insécurités qu'on a en nous et malheureusement ça va nous affecter dans notre façon de jouer, c'est sûr quoi. Vaut mieux les laisser dans leur monde, s'imaginer en face, mettre le streamer mode à la limite. Moi c'est voilà quoi. Si pour les personnes que ça affecte, vous mettez le streamer mode, pour vous en face c'est des gens, vous en foutez, il y a pas besoin de savoir le nom, il y a pas besoin de se prendre la tête et tout. Il s'appelle Tata Yo. Yo, caca, boudin, et on s'en fout quoi, et on y va, et chaque game du coup on est focalisé sur les bonnes choses quoi, et pas sur des éléments qui sont extérieurs, voilà, il m'a dit GG, il a dit good night, il m'a dit NS, enfin ou pas NS en l'occurrence, il m'a dit good night, il m'a dit va te faire enculer, ça... Si ça nous affecte pas et que ça nous fait rire, ou que ça nous booste d'une certaine façon, bon bah, laissez le slash all quoi. En revanche, si ça nous affecte, moi je sais que ça m'affecte, bah je le coupe du coup. Et ça en plus, quand je dis ça affecte, bien évidemment il faut aussi partir du principe que ça affecte l'équipe. Si par exemple vous pensez que ça vous affecte pas ce que disent les gens en face, mais que pendant les phases où vous êtes mort, vous en profitez pour aller dans le chat et dire eh ben nique bien ta mère, fils de pute et tout. Pendant tout ce moment là où vous êtes en train de faire ça, déjà vous niquez le mindset de votre pote qui est en train de game lui, parce qu'il voit les messages apparaître quand même. Il les voit, tu vois, en se disant putain c'est encore Roger, il est encore en tilt quoi. Premièrement. Et deuxièmement, vous n'êtes pas sur les cams, vous n'êtes pas concentré. Et sur R6, malheureusement, il n'y a pas un moment, quand bien même t'es mort, où t'as rien à faire, quoi. Le nombre de fois où il y a des caméras qui servent à rien du tout, que toutes les caméras ont été pétées, tous les drones ont été pétés, c'est rare, en fait. Il y a toujours un vieux drone qui traîne et qui peut donner une info et tout, sur lequel on va rester en disant « Non, attends. » Je l'entends, je crois qu'il est vers Esca Metal. Ah d'accord. Thing applies for toxic teammates. If you have teammates that are constantly telling you that you're crap or that you need to start getting more kills or stuff like that in a ranked match, just mute them because they're not adding anything to the conversation. C'est vrai. And they're just going to end up causing you to play worse. Now, something that most new players struggle. Ça c'est vrai aussi hein. Ce qui est valable avec les mecs en face, ça sert à rien d'avoir le truc en face pour moi. Elle est valable aussi avec les teammates quoi. Si on est parti, bon après, moi il y a la logique de stream, donc il y a la logique de création de contenu parfois. Mais en vrai, si j'étais dans une logique d'efficacité, tryhard 100%, dès qu'il y a un mec qui est là pour mettre de la musique, machin, truc, bidule, et que vraiment je sens qu'il est dans une logique de troll, quoi. Il est sur internet, c'est l'anonymat, donc du coup, ça va lui. Il va se sentir pousser des ailes, il va mettre de la musique, il va provoquer, il va pas donner les calls. Mute, direct, c'est le seul façon, quoi. On va pas partir comme sur Twitter à dire, eh bah tiens, dans ta gueule, Pokémon 44. Non, non, c'est mort, on s'en fout, en fait. Il veut rien savoir et il faut vraiment se dire ça, parce que moi j'avais une logique très vindicative quand j'avais 20 piges dans les jeux vidéo et je me disais vas-y je vais me venger, je suis de pute, je vais le traiter de tous les noms et tout. Ah ouais bah courba, soukabliette, enculé de ta race. Là, sur CS c'était que ça quoi. Et à la fin je me rendais compte que malheureusement, psychologiquement, je lui donnais exactement ce qu'il voulait. C'est ça qui est horrible. Parce qu'au final, dans une espèce de logique de se dire « Ah ouais ? Bah va bien niquer ta mère !» Je lui donne exactement ce qu'il veut. Si je sais que la personne en face de moi est un troll, bah l'expression anglaise c'est « Ne nourris pas le troll ». Il n'y a rien plus frustrant pour un mec qui essaie de trigger une réaction, qui fait son intéressant, etc., que d'avoir un mec qui fait «
mute. Personne ne lui répond, il reste dans son coin et voilà. Et au final, peut-être qu'il aura tellement rien à faire d'autre qu'il va se concentrer sur sa game, quoi. Include a long range of different problems with settings. For example, a bad aspect ratio can result in enemies being harder to see and shoot. If you have too high of a sensitivity or too low of a sensitivity, it can result in you overflicking or under-adjusting. Then if you have screen... C'est peut-être l'un des premiers éléments dont il aurait fallu parler. Il est vrai que, regardez ma vidéo sur les settings, c'est toujours les mêmes. Un jeu de type FPS, c'est un peu pay to win quand même. 240 Hz, c'est mieux que 60 Hz. Même 240 Hz, c'est mieux que 144. Après, au-dessus, bon, ça se discute. Ok, mais 240 Hz, c'est mieux que 140. Et 140, c'est mieux que 60. Point. Une bonne souris avec un très bon capteur, c'est mieux qu'une souris qui a un capteur de merde. Point. Un tapis de souris convenable, machin, qui coûte pas trop cher, mais bon, qui est convenable, c'est mieux qu'un gant de toilette acheté à Leclerc ou alors avec des gros nichons là, de trucs en taille ou je sais pas quoi, là. Les claviers mécaniques, bon, les claviers mécaniques, on s'en fout un peu, mais bon, c'est pas si important que ça pour le coup. Mais c'est quand même mieux, hein, ça peut pas être pire en l'occurrence. C'est la même chose pour les settings. Les mecs qui ont des sensibilités trop élevées, qui se sont pas renseignés sur leur sensibilité, qui ont des DPI trop importants, bon, sensibilité, du coup, c'est à peu près la même chose. Qui laissent le screen shaking, c'est les settings. Donc le tremblement, quand on prend des explosions, c'est ce qui va montrer dans deux secondes, ça sert à rien. Qu'on désactive le motion blur, c'est débile. Bon, après, ça c'est assez récent et je pense que ce sera fixé voilà, d'ici quelques temps. Il faut bien laisser le motion blur. Le ratio, bon, le FOV ratio, sur PC bien évidemment, hein, 4 tiers ou 16 dixièmes, voilà, c'est à peu près les deux ratios qui sont les plus utilisés. 4 tiers, 83 de FOV et plus, 83, 84 jusqu'à 90, voilà. Ça c'est très bien, et puis 16 dixièmes avec un FOV peut-être un peu plus vers 83, 80, ça aussi c'est pas trop mal quoi. Après, si les gens veulent partir dans des trucs en disant ouais mais je me sens bien avec ça, bon, libre à eux en l'occurrence quoi. Intensity on, it can make it extremely hard for you to hit your shots during an explosion, and really bad crosshair settings can make it hard for you to see in certain environments. So, to fix all of these issues, for aspect ratio, I recommend you choose between... 4 tiers, il a raison. Either the 4x3 or the 16x9 or... Non, pas du tout. Jamais de 16 neuvièmes. 16 dixièmes, c'est OK. 3 demi, ça se peut aussi. Le reste, personne ne joue avec le reste, quasiment. Both of them are the most commonly used, and they're pretty clean and don't obstruct too much. The 4x3 aspect ratio is better if you want enemies to look bigger on your screen, because since it stretches your screen horizontally, it makes enemies look a lot bigger. But if you want to have a wider field of view, and you also want enemies to move slower across your screen, 16x9 or 16x10 is better, because enemies won't move as fast on your screen since they're not as big. Then the sticks... Il a raison, c'est une bonne façon de voir les choses. Je pense qu'il est important quand même de rappeler aussi que 4 tiers, c'est vraiment bien quand on utilise souvent des holographiques. Et si on ne venait à utiliser que des ACOG, 16 dixièmes, c'est un peu mieux, quoi. Le FOV va être plus important, donc on a moins ce côté je zoome dans un truc et après je suis en mode avec le 4 tiers, bah, je vois plus ce qui se passe sur les côtés, quoi. Alors qu'avec le 16 dixièmes, quand bien même je suis en train de zoomer avec mon 16 dixièmes, là on comprend bien, 4 tiers, là on voit tout de suite, ACOG, bon, il n'y a plus rien, quoi. C'est un tunnel, il n'y a plus d'informations possibles, les informations sont dans le rond central, quoi. Tout autour, c'est trop gros, et tout ce qui se passe autour de ça, c'est des informations qui sont trop sur les côtés pour aller les chercher, donc il se passe que ce qu'il y a dans le rond, quoi. Alors qu'en 16 dixièmes, même quand je zoome, j'ai énormément plus d'infos. Le zoom à proprement parler, la coque ne représente plus un blocage de mon champ de vision, donc c'est pas uniquement le champ de vision à proprement parler, c'est juste que dans le zoom, au final, ça m'évite d'avoir une lunette qui va être énorme. Donc ça, c'est important, en fait. Si j'ai pas trop l'habitude d'avancer avec du clic droit, ou si j'ai l'habitude d'avancer souvent en clic droit, versus si j'ai l'habitude de prendre des holographiques, ou si j'ai l'habitude de prendre des ACOG. Alors, à l'époque du 1.5, c'était peut-être un petit peu moins valable, mais là, à l'heure actuelle, ça reprend tout son sens, parce que l'ACOG est revenu en force, et le 1.5 n'est ni plus ni moins qu'un ACOG, puisque c'est le même niveau de zoom. ...the view, and you also want enemies to move slower across your screen. 16x9 or 16x10 is better, because enemies are between the 60% to 100% range, that way you can actually see the color of your crosshair. And then, I recommend you choose between three different crosshair colors, those being green, default... Alors, je sais pas pourquoi changer l'opacité du truc, pourquoi pas. Là, je pense que c'est vraiment du personnel, hein. Je pense pas qu'on puisse recommander à quelqu'un. Peut-être qu'on peut voir ce qui se passe derrière et tout, mais en vrai, la COG n'est pas... Avec un 1.5, pourquoi pas changer l'opacité, parce que c'est un gros point maintenant et qu'il a un côté assez couvrant. Mais un ACOG, bon, ça part au niveau de ma croix, le truc, donc ça ne couvre pas, en vrai. Donc, bon, l'opacité... Green, default, et red. Ah, il va peut-être expliquer pourquoi. Ok.
Effectivement, la raison pour laquelle on va plutôt recommander le rouge, le vert, etc., c'est parce que bah, y a moins d'éléments du décor sur Rainbow Six qui ont ces couleurs-là, quoi. Vert fluo, rouge. Mais en revanche, avec son opacité maintenant, ça se fond un peu dans le décor quand même. Hein. Moi, j'aime bien quand même quand ça pète bien, parce que rouge sur Villa ou sur certaines maps comme ça, il doit y avoir des moments avec son opacité qui, en final, la transforme en marron. Hein, ça va pas être terrible, quoi. Un autre truc aussi, l'œil perçoit mieux les couleurs vert et rouge, hein. Surtout le vert d'ailleurs. C'est la couleur à laquelle on est le plus réactif. Avant, c'était orange, mais on pouvait mettre les persos en rouge. Je crois que c'est la même chose sur Valo, un truc comme ça. Moi, je les avais mis en rouge direct, quoi. En rouge, ça pète tout de suite au final. Et l'œil, voilà, c'est scientifique pour le coup, là. Can be disastrous. It can cause you to whiff shots even if you're doing everything else right. It doesn't matter if you hold an angle perfectly and you're aiming head level and you're clearing angles one by one. If you can't control the recoil of your weapon, you're never going to hit your shots. So you want to be spending time in the shooting range in the first room to figure out the recoil of different weapons that you use often. This can be done simply by just shooting your weapon into the target, figuring out where the bullets are going. If they're going up and to the right, you want to pull down and to the left. If they're going up and to the left, you want to pull down and to the right. And if they're going mostly up the middle of your screen, you just want to pull down and nothing else. This alone will help your recoil control a lot, and the more you spend time with the weapon, the better you'll get at it. You can also, while you're in the shooting range, change your attachments around to see what feels best for your playstyle. C'est vrai, hein, ouais, bon, allez s'entraîner dans le shooting range. En revanche, le truc de dire si ça part en haut à droite, bah, il faut le faire en bas à gauche, et si ça part en haut à gauche, j'ai jamais fait ça. Je baisse, je compense le truc, et la plupart du temps sur R6, il n'y a pas vraiment de ça part à gauche et ça part à droite. Hein. Franchement, non, quoi. Tu baisses, tu maintiens et tu maintiens dans la zone, quoi. Et après, t'es OK avec les petites fluctuations qu'il peut avoir, quoi. Bah ça, c'est pas dur, hein. Vertical grip sur toutes les armes, point. Faut pas se prendre la tête. Et laser sur toutes les armes. Cache flamme sur toutes les armes, sauf les DMR, les pistolets, où on met un frein de bouche. Non, c'était pas mal. Il y avait des bons conseils. Bon, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vais aller pisser. Bon, ça sera pas dans la vidéo. Enfin, le monteur, fais pas le con.